C'est bon, ça, Angie, tu peux reprendre. Donc, finis Ça, ta j'ai dit phrase. ton assiette. Je peux répondre ou pas? Oui, ça y est, c'est bon, ça enregistre. Yadja Voilà, là, tu as parlé, tu as remplacé par un damir muttasil, tu as mis le ha au féminin. Donc, le pluriel, bien sûr, on l'exprime quand on en parle en arabe. Tout ce qui est pas, qui a pas de raison, on va considérer que c'est singulier féminin. OK? Donc, yaj'aluha ala mizanihi. Il les met sur sa balance. On le voit ici. Voilà. Ya'khudhu at-tajiru thamaniyat tufahatin kabiratin fayazinuha bimizanihi. Donc, yaj'alu at-tajiru at-tufahati fi mizanihi. Ou Non, ala mizanihi. Hein, t'as dit quoi? moi je fais simple. Ou ala mizanihi. Yaj'aluha ala mizanihi. La question, donc, c'était ça. Hein. On est où là? Aïna yaj'alu at-tajiru at-tufahat. C'est bon, allez. Personne suivante? التفاحة كم تزنو؟ تزنو. Pardon. كم تزنو هذه التفاحة؟ Combien pèse ces pommes? Tazinu kilo wa bis fan. Réfléchis bien. C'est quoi? C'est un bain, toi? Tu penses que c'est un bain? Ah non, 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 non. Voilà. Nis fan, c'est deux noix, Voilà. un pied Demi, tout demi. simplement. Tazinu kilo anisfan. Elle pèse 1,5 kg. OK? On continue. Et ça? بكم الكيلو من التفاحة؟ من التفاحي. تفاحي. Voilà. بكم الكيلو من التفاحي؟ Combien coûte le kilo de pomme? بستة دنانيرة. Ouais, mais là, كيلو vous me faites des phrases de plus en plus الكيلو simples. Hein. الكيلو من التفاحي بستة دنانيرة. Voilà. Donc, Tazino, Kilo, Nisfen, où est-ce qu'il avait dit ça? Bissitati. Ah ouais, c'est ici. Bikam el Kilo minet Tufahi, el Kilo minet Tufahi, Bissitati. El Kilo minet Tufahi, Bissitati, Dana Nira. OK? Donc, 6 dinars. Le kilo de pomme est à 6 dinars. On continue. Alors, bikem el kilou wal nisfou. Bikam el kilo nis. Donc, combien est le kilo et demi? À combien est le kilo et demi? Alors, el kilou wal nisfou. 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 Bisi. Non. Ben non, tu fais le calcul et il est écrit. Bisati. Voilà. Dananira. Bitis'ati dananira. OK? Puisque là, il paye 9 dinars. Bitis'ati dananira. Très bien. On continue. C'est quoi ça? Fumma. Amma. Ouais. Amma. Thumma amma yes'alu. Vas-y. Amma, c'est de quoi? Il a mis le kita ici. Ah, Amma. c'est le diminutif de ça. Yes. Attends. Fumma amma. Yes'alu. El Sayyidu Abdallah. Ouais, ce diminutif-là, on l'a aussi, si je dis pas de bêtises, dans le Coran. Amma yatasaaloun. Je crois que c'est écrit comme ça. Amma yatasaaloun anil nabai l'azim, alladhi hum fihi mukhtalifoun. Sur quoi s'interroge-t-il? Sourate An-Naba. Normalement, c'est comme ça. Amma yas'alou as-Sayyidu Abdullah. Bon, j'ai pas le Coran devant moi. Mais je pense. Ah, si, bah si. Attendez, je regarde vite fait. Ouais, ici, regardez. Amma yatasaaloun. Je ne sais pas ce qu'est là, ma caméra, mais elle a l'air d'être floue. Vous voyez, Amma? Amma, c'est pareil. Donc, sur quoi? Amma, An et Ma, le diminutif.
Voilà, on peut reprendre. Donc, sur quoi? Amma, au sujet de quoi? Yes'alou al-Sayyid Abdallah. Au sujet de quoi le monsieur Abdallah pose la question? Il demande. ثم يسأل عن ثمان المواضع. Ouais, le thumma, t'es pas obligé de le mettre, puisque c'est une question. Là, c'est dans le texte, mais tu dis Yes'alu an thamanil mawzi. Ok? Mawzi. Mawzi. Yes'alu an thamanil mawzi. Il pose la question sur le prix de des bananes. Ok? ما هو ثمن الموزة؟ Alors, attends. Ma huwa. Alors, on est ici. Ma huwa thamanul mawzati. Combien coûte le prix d'une banane? Ah, c'est d'une banane qui Oui, demande. oui. Bon, attends, Ici. Al-mawzatu bidinarin. Al-mawzatu bidinarin. Ok? Une banane, ça coûte un dinar. Oui. Sont sérieux? Et le kilo, tisatu. Bah ouais, c'est l'inflation. Al-mawzatu bidinarin. Et le kilo, et encore, ils sont gentils là. Dans le texte, il est gentil. Ou al kilo bi sab'ati dananir. Voilà. Enfin, là, j'ai peut-être répondu à une autre question. Donc, bikam en était où? Alors, ma huwa thamanul mawza, thamanu, donc on dira thamanul mawzati bi dinarin. OK? Ou thamanul mawzati dinarun wahidun. OK? On continue. ما هو ثمن الكيلو من الموزة Ma huwa الموز thamanu al-kilo min al-mawzi? Combien est le prix d'un kilo de banane? الكيلو من الموزي comment on peut dire attends parce que là Tout simplement ici. Ah ouais, c'est long, c'est long. Bis, attends. Bis, bati, danari, dana, nira. بسبعة دنانير أوكي الكيلو من الموزي بسبعة دنانير تو سامبلومون لو كيلو دو بانان إيتا 7 دينار أون كونتينيو هل الموز غالين؟ ألوغ نعم هل الموز غالين؟ إسكو لا بانان إي شيخ؟ شيخ إي دون لو سونس سي با الموز أون بانان أن سي إسكو لي بانان سون شيخ سي ouais. لوكاتيف سي لو كوليكتيف باردون Ouais. هل الموزو غالين est-ce que les bananes sont chères نعم الموزو غالين. الموزو غالين donc je rappelle hein, que le collectif on considère qu'il a un sens pluriel mais effectivement dans le concret c'est du singulier donc on dira هذا الموزو غالين au singulier masculin. Voilà, pardon, masculin. J'ai dit du pluriel peut-être. C'est un sens pluriel, mais il est singulier, effectivement. Donc, singulier, mais masculin. OK? El maouzou ghalin. Et donc, tu avais dit quoi, Aïssa? Oui. Oui, je me n'aime le maouzou El maouzou ghalin. OK, on continue. Kam yeshri minhu al-Sayyidu Abdullahi. Kam yeshri minhu al-Sayyidu Abdullahi. Combien Yeshri achète de lui le monsieur Abdullah? minhum kilo. Ouais. Non, minhum kilo. Ouais, Yeshri. Idan Yeshri Kilo. Voilà. Yeshri Minhu Kilo. Très bien. Tout simplement. On s'arrête là puisque je crois qu'il y a une autre question. Nadir? Un texte. Ouais, c'est à moi. Mais là, kem mawdatan yar Hou. Voilà. Kam mawzatan yarbahou. Combien de bananes gagne-t-il en achetant un kilo? Ici. Fa arbahou. Ouais, mais essaye, Nadir, essaye pas de relire seulement, essaye de répondre selon le contexte. Yarbahou, il gagne. Yarbahou, reprends pas exactement les termes du texte. Il gagne, donc tu transformes ça. Yarbahou, et là tu peux répéter le reste.
Attends, c'est quoi? Ihda. Ihda. Ihda awis. Comment tu prononces ça? Awis. Awis nataini. Yerbahu ihda awis nataini. Ok? Yerbahu ihda awis nataini. Il en gagne une ou deux. Ok? En plus que s'il aurait acheté à l'unité, quoi. S'il aurait pris pour le même prix, prix d'une banane, eh bien, il aurait payé plus cher. Enfin, il aurait eu 9 bananes, il aurait payé 9 dinars au lieu de 7. Voilà. Donc autant prendre un kilo. On continue. Sonia, toi. Aïna, alors. Aïna yadj'alou maouzatou. Maouzahou. Maouzahou, excuse-moi. Où met-il ses bananes? يجعلوا السيد عبد الله موزه في سلته. Eh bien, يجعلوا السيد عبد الله موزه في سلته, dans son panier. On continue. Sonia, ça va pour la dernière. Oh, désolée, j'étais à côté. Alors, ثم ماذا يفعلوا. ثم ماذا يفعلوا. Ensuite, que fait-il? Ici, tout simplement. ثم ouais. ثم ي attends. يج يخ. Ah, يخ يخرج من السوق. Il s'en va du marché. Il sort voilà. Du marché. ثم يخرج من السوق. Très bien. On a fini le numéro 1. On passe au numéro 2. Vocaliser puis traduire. On continue donc dans l'ordre. Bismillah, je t'écoute. Fidarina situ gourafin. Très bien. Fidarina, fidarina situ gourafin. Qui veut dire? Dans notre maison, six chambres. Très bien. Il y a six chambres. Dans notre maison, il y a six chambres. Donc vous avez bien vu, hein, ils ont mis en pratique ce qu'on a vu. C'est-à-dire fidarina situ. Alors situ gourafin. Ghuraf, c'est un mot masculin, on est d'accord? Ok? Ça vient du mot. C'est un mot féminin, pardon, excusez-moi. Ghurfatun. Son pluriel, c'est ghurafun. Donc, ghurfatun, une chambre, c'est féminin. On a été prendre le 6 du féminin qui n'a pas de tamarbouta. Ça paraît contradictoire, mais c'est comme ça en arabe. Il faut réfléchir un peu plus quand on parle. Il faut mettre l'inverse. Fidarina sittu ghurafin. Ok? On continue. Alors, fi madinatikum khamisu aswaqi. Khamsu. Ah, khamsu, pardon. Aswaqi. Voilà. Fi madinatikum khamsu aswaqin. Qin. Avec un tanwin en in. Ah, pardon. Donc, dans votre ville, il y a 5 marchés. Voilà, dans votre ville, il y a 5 marchés. Donc, fi madinatikum khamsu aswaqin. On continue. Hadha tajiru yabihu al-baqula. Attends, je t'interromps deux secondes. Hein. C'est pas pour toi, Nadir. Hein. C'est pas pour toi, désolé. C'est juste pour rappeler le principe. Encore une fois, regardez. Khamsu aswaqin. Aswaqin, c'est le pluriel de souqun. Et souqun, est-ce que c'est féminin ou masculin? Est-ce qu'on dit hada souqun ou hadihi souqun? Eh bien, on dit hadihi souqun. Regardez. Souqun féminin, marché souq. Souqun, hadihi souqu. Et son pluriel aswaqun. Donc, il est bien féminin. On prend le chiffre des dizaines, de 3 à 10. Et ce sera l'inverse. On ne mettra pas tamarbuta. Khamsu aswaqin. On met au pluriel et on fait comme si c'était un mudaf ilayhi. Et ça, c'était un mudaf. Et un mudaf ilayhi. On ne met pas de tanwin sur le mot. Khamsu aswaqin. Avec un tanwin en in. Ok? On continue. Désolé, Nadir, je t'ai interrompu. Tu peux reprendre. Hada tajiru yabihu al-bukula wala yabihu al-fawakiha. Très bien. Hada tajiru yabihu al-bukula wala yabihu al-fawakiha. Donc, qui veut dire? Ce marchand vend des légumes, mais ne vend pas de fruits. Ouais, c'est pas vraiment mais. C'est et. Et il ne et vend non. pas de fruits. Ok? Il y aurait eu mais, on aurait mis la kin. Allons, continue.
بائع الفواكه يزين الموز بميزانه. Voilà. بائع الفواكه يزين الموز بميزانه. Très bien. Le vendeur de fruits pèse les bananes avec sa balance. Très bien. Le vendeur de fruits pèse les bananes avec sa balance. On continue. C'est à moi. Ouais. قد زرت زرتو. زر. Alors ici c'est ça peut être زرتو, زرتا, زرتي. Voilà. Hein? Ça peut être les trois. زرتو, زرتا, زرتي. Et pourquoi aussi? Bah parce qu'en fait on n'a pas d'indice ici, on ne sait pas si c'est je, j'ai vu, enfin si c'est moi qui l'ai fait ou si c'est toi ou si c'est il. Des fois je t'ai dit dans certaines phrases en arabe, si on n'a pas les textes avant, on ne saura pas ça, on saura pas qui est le personnage ici. Vu qu'il n'y a pas précisé ici si c'est un ou sur le ta ou si c'est un a pour toi ou si c'est un i pour toi en fille. D'accord. Ou même zaret, tu vois. Zaret avec un soukoun. Qad zaret. Ok. C'est voir, ah ouais, ça. Non, c'est visiter. Visiter. Ah oui, zaret. Thalatha. Alors, qad zurtu. Ouais. Qad zurtu. Thalatha madina. Mudunin. Qad zurtu. Thalatha mudunin. Moudounine. Okay, bon. Pour Zaret, je vais mettre entre parenthèses. Hein. Je ne vais pas vous dire que c'est ça, mais c'est soit Zortou, Zorta ou Zorti, c'est sûr et certain. Ok ? On oublie avec le soukoun. Allez. Khad Zortou, Thalatha, Moudounine. Moudounine. Kabiratin. 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 Parce que ça se rapporte à Moudoun. C'est trois grandes villes, en fait. Voilà. Khad Zortou, Thalatha, Moudounine, Kabiratin. Tunis. Voilà. Tunis. J'ai visité trois grandes villes en Tunisie. Voilà, en Tunisie, ok. Trois grandes villes en Tunisie, donc dans la Tunisie. Voilà, j'ai visité trois grandes villes à Tunis ou en Tunisie, ok, ou dans la Tunisie. Allez, on continue. Marratun. Marartu. Hein? Marartu. 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 Ah, j'ai inversé moi. Et là, pourquoi on pourrait pas dire que c'est Mararta et Mararti, c'est impossible? Parce qu'à la fin, on voit, regardez, le mot qui est là, il nous fait comprendre que c'est pas la deuxième personne du singulier, mais c'est plutôt la première personne du singulier. Alors, Marartu. Bi sahibi Abdullahi. Sahibi Abdillahi. Abdillahi. Abdi. Abdi, c'est le badal de sahibi. Il y a un bi qui rend sahibi, mon compagnon, Abdillahi. Abdillahi. Filayli. Thama Garaf Garaf Garafani Thama Arafani. Ouais. Thama Arafani. Garafani. Ok. Marat Sahibi Abdillahi Fillayli Thama Arafani. Vas-y, je te laisse traduire. J'ai rencontré mon ami Abdullahi dans la nuit. Non, c'est pas rencontré. C'est Marra, c'est. Je suis passé par. Je me suis passé par mon ami. Ouais, en fait, je suis passé le voir. Mais c'est dans ce sens-là, tu vois. Rencontrer, c'est Qabala Yuqabilu, par exemple. Ou Laqituhu, tu vois, Laqiya. Okay, ah oui, passé. Marra, on verra, vous verrez dans les. Bah voilà, c'est juste au-dessus, regarde. Marrabi, passé près d'eux, passé par. Je suis passé près de chez mon ami Abdullah dans la nuit. Mais il ne m'a pas reconnu. Il ne m'a donc pas reconnu. Voilà. Marartu bi sahibi Abdillahi fil layli. Je suis passé par mon ami Abdullah dans la nuit.
Il ne m'a donc pas reconnu. Ou mais il ne m'a pas reconnu. On peut dire mais aussi. Voilà. Fama arafani. On continue. Alors, el yawma ma rabi'tu. Rabi'tu. Rabi'tu shay'an li anni ma hamiltu. Ma amiltu. اليوم ما ربحت شيئا لأني ما عملت. Je vais vérifier si c'est rabiha ou rabaha, mais je pense que c'est rabiha. Je pense que c'est ça. Ouais, rabiha yarbahu. C'est au présent que c'est yarbahu. Rabiha ma rabihtu. Donc اليوم ما ربحت شيئا لأني ما علمت ما عملت. Allez, je t'écoute pour la traduction. Aujourd'hui, je n'ai rien gagné parce que je n'ai pas travaillé. OK, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je n'ai rien gagné parce que je n'ai pas travaillé. Allez, on continue. هذه التفاحة كبيرة أربع منها تزن كيلو. Très bien. Alors, هذه التفاحة كبيرة أربع. Donc, c'est très bien, t'as mis un tanwin, c'est ça la base. أربع منها Tazinu kilo, qui veut dire cette pomme. Ces pommes. Ces pommes. Oui. Ces pommes sont grandes. Ces pommes sont grandes, très bien. Et quatre d'entre elles pèsent un kilo. Très bien, quatre d'entre elles pèsent un kilo. On continue. Charaïtou. Oui. شريتُ نصف كيلو من الموز بثلاثة دنانير ونصف. Ouais. Ah. Voilà. C'est pas fini. بثلاثة دنانير ونصف. ونصف. Parce que c'est pas un mot, c'est pas ممنوع من الصرف نصف. On va vérifier ici. Voilà, regarde. نصف. Ansafun. Donc nisfun, demi-moitié. Donc bithalathati dananira, avec trois dananira, donc il y a bi devant. Et ici, il est même nommé nisaf, donc ça reste dananira, mais ici, ça n'est pas même nommé nisaf, donc ça dit wanisfin. Ok? Donc, sharaitu nisfa kilo min al mawzi bithalathati dananira wanisfin. On continue. Traduction, s'il te plaît. J'ai acheté un demi kilo de bananes. Ouais, la moitié d'un kilo exactement. La moitié, ouais, un demi kilo pour 3 dinars et demi. Pour 3 dinars et demi, très bien. La dernière pour soigner, ça va là. Fi madrasatina sab' mu'allimat. Sab'u mu'allimatin. Comme un mudaf et un mudaf ilayhi, c'est la règle qu'on doit appliquer. Sab'u mu'allimatin wa 'ashara là avec le ta, je sais pas quoi mettre. 'Asharatu. 'Asharatu mu'allimin. Très bien. Voilà. Fi madrasatina sab'u mu'allimatin wa 'asharatu mu'allimin, qui veut dire dans notre école, il y a sept professeurs et enfin sept profs et bon masculin et dix professeurs mais féminins, quoi. Enfin, je sais pas comment. C'est alors sept professeurs féminins et dix professeurs masculins. Voilà. Ou alors on va dire maître et maîtresse, ce sera plus facile. Dans notre école, il y a sept maîtresses et dix maîtres. Ok. On continue, exercice numéro 3. Bismillah. Qurba darina souqun saghiratun. Qurba darina souqun saghiratun. Très bien. Près de notre maison, il y a un petit marché. Il y a un petit marché. Donc vous avez vu ces phrases-là, c'est ce que je vous ai dit dans la première leçon tout à l'heure, le petit rappel. On a ce qu'on appelle, c'est des phrases avec des mubtada, des khabar, mais ici c'est des mubtada reculés, mu'akhar, avec des jumel, fi mahalli. Mubtada muqaddam. Ok,
Donc voilà, c'est tout simple. On parle comme ça en arabe. Qurba darina, auprès de notre maison, il y a. Et on met toujours sous-entendu il y a dans la traduction. Il y a un marché petit. Pareil ici aussi. Dans notre école, il y a sept professeurs, maîtresses et 10 maîtres, etc. Enfin, c'était un petit rappel. On continue. Donc, Qurba darina souqun saghiratun. Près de notre maison, il y a un petit marché. Personne suivante. Alors, toujours, هذه السوق يعرفني وأعرفهم Voilà. تجار هذه السوق وأعرفهم. تجار هذه السوق يعرفونني وأعرفهم. Les marchands de ce, les vendeurs de ce marché, Ouais, les commerçants de ce marché. ouais, les commerçants de ce marché me connaissent et je les connais. Très bien, je me connais et je les connais. On continue. يصل هؤلاء التجار إلى السوق في الصباح. Voilà, يصل هؤلاء التجار إلى السوق في الصباح. Qui veut dire? Les vendeurs de... Non, c'est les vendeurs arrivent. Les vendeurs arrivent. Ces vendeurs. Ces vendeurs. Voilà. Au cas où Ces arrive au marché. vendeurs-ci, par exemple, ces vendeurs-ci. Ces vendeurs-ci arrivent au marché. Dans la matinée. Fais La matinée. sabahi. Ouais. Dans le matin. Yasiluha ulay tujar. Yasiluha ulay at-tujaru ila fi sabahi. Ces commerçants arrive au marché dans la matinée. Allez, on continue. اليوم حملت سلة كبيرة وذهبت إلى هذه السوق. Aujourd'hui, j'ai porté un grand panier et je suis partie vers ce marché. Ouais, c'est hamaltu, hein. Donc c'est bien le verbe hamala yahmilu. On est d'accord, hein. C'est pas l'inverse, c'est pas hamila yahmalu. C'est hamala yahmilu, je pense, hein. Donc, J'ai pas Eliaou. vérifié Hamel tout directement. C'est ça qui. C'est celui-là que. Attends. Hamala, vite fait, je regarde. Hein, j'ai un petit doute. Ouais, je crois que c'est Hamala Yahmilou et non pas l'inverse. Hamala, Hamala, Hamala. Ouais. Hamala Yahmilou. Hamlan. Donc, Hamala Yahmilou. Donc, on continue. Donc, c'était bon. Donc, Al-Yawma, Hamaltu, répète ce que tu as dit, s'il te plaît. Et tu veux que je répète quoi, Mohamed? Al-Yawma, Hamaltu, Sallatan Kabiratan, t'as dit. Sallatan Ouais. Kabiratan, ok? Ouais. Wadahabtu ila hadihi souqi. C'est bon, on va Ouais. traduire. Bah, ouais, je l'ai déjà faite. Ah, aujourd'hui, j'ai porté un grand panier et je suis parti vers ce Merci. marché. Très bien, on continue. سألت عن عن الشم الثمانة أثماني الثماني الثماني بقولي البقولي مضاف مضاف إليه البقولي و وفواكه والفواكه pareil فواكه c'est مضاف إليه الثاني de أثمان بس هذا سي مام با اكزومبل ف فوا فوا فواجدت فوجدت فوجدت انها انها علي اتون نو عليه علي جاريف با سو مو غالية غا ولا زوت غاليات دونك سي Voilà. Donc, سألت عن أثمان البقول والفواكه فوجدت أنها غالية. C'est bon si tu choisis de dire elle a posé la question. On peut dire ouais aussi سألت, mais si on dit سألت ici, on devra dire فوجدت.
Et si on dit Sa'alta, on devra dire Fawajatta. Et si on dit Sa'alti, on dira Fawajatti. Il faut que ce soit la même personne qui parle, quoi. Ok, donc c'est bon ce que tu as mis. Sa'alat an Athman al-Buquli. Donc elle a demandé au sujet de au sujet des légumes, des prix des légumes, des prix des légumes et fruits et fruits et des fruits et elle a comment dire celui-là je sais plus elle a trouvé que c'était cher qu'elles étaient chères voilà qu'elles étaient chères ok le prix des légumes ha était cher ok D'accord. On continue. Charaitu bukulan. Charaitu bukulan. Essaye de faire le mad là. Bukulan. Deux temps sur le. Bukulan. Mina ahadi tujari. Ouais. Wa charaitu. فواقيها من تجارة أخرى من تاجر آخرين من تاجر آخرين أوكي تاجر أخرى آخرين آخرين voilà شريت بقولا من أحد من أحد التجار وشريت فواكها من تاجر آخرين Alors, Akharin, excuse-moi. Akharin, je crois que c'est un même nom, le salf, donc c'est même pas ça. Akhari. C'est Akharou, Akhara, je crois. Enfin, je vais vérifier, je vais vérifier. Akhirou, c'est, est-ce que c'est même nom, le salf? Je dirais oui. Tu dirais oui, toi? Akharou, est-ce qu'on a trouvé, on a vu où Akharou? Oh, attendez, je vais vérifier là. Alors, le lexique, très important, hein, ça nous aide à aller très vite. C'est 17e leçon. Akharou, ouais, c'est même nom, ouais. Minasarf. C'est même nom, Minasarf. Donc, oui, j'ai fait une erreur ici. La correction, ce ne sera pas ça. Je reviens, on était à quelle page ? 187. Donc ça fera wa sharaytu fawakiha min tajirin akhara et non pas akhari akharin min tajirin akhara voilà c'est ça m'a semblé bizarre c'est pour ça que j'ai vérifié min tajirin akhara avec une fatha ici OK ouais alors j'ai acheté des légumes chez un marchand ouais Chez l'un des commerçants. Puis j'ai acheté des fruits. J'ai acheté des fruits chez un autre commerçant. D'un autre commerçant. Ok. Indéterminé, indéfini. On continue. Alors, ba'i'u al-fawaqihi. Ouais. Laïsa indahu mawzun. Voilà, ba'i'u al-fawakihi laïsa indahu mawzun. Bon, ici, c'est un mamnou' min al-sarf, mais je vous rappelle que lorsque le mamnou' min al-sarf il se retrouve avec un alif lam, par exemple, il perd sa qualité de mamnou' min al-sarf et redevient normal. Donc, il peut passer en i. Et comme ici, on a le mudaf ici, le mudaf ilayhi, la particularité, c'est qu'il devient en i. Ba'i'u al-fawakihi laïsa indahu mawzun. Qui veut dire Chez le vendeur de fruits, il n'y a pas de banane. Voilà, chez lui, il n'y a pas de chez le vendeur de fruits, chez lui, il n'y a pas de banane. Ou chez le vendeur de fruits, il n'y a pas de banane. Parce que Indahu, c'est chez lui, auprès de lui. Okay. Donc, le vendeur de banane n'a pas de fruits, tout simplement. On continue. N'a pas de fruits, pardon, excusez-moi, de banane. Le vendeur de fruits n'a pas de banane. Maus. Je vais essayer de. قال لي كان عندي الموضوع
في الصباح لكن بيعته. Voilà, donc tu as bien prononcé ça ici, el mawzou, c'est un zay, zay comme z, OK? كان عندي الموزو في الصباح لكن بعته. لكن بعته qui veut dire bon, il m'a dit, قال لي, il m'a dit, excuse-moi, il me dit, c'est ça, il m'a dit, ouais, il m'a dit كان عندي, j'en avais hier, c'est ça. Non, il n'y a pas le mot hier. J'avais auprès de moi des bananes. Des bananes. Dans la matinée. Mais je les ai vendues. Voilà, exactement. Et regardez, Béatouhou au masculin singulier, parce que c'est du collectif. Non, il n'a pas dit Béatouhou. OK, on continue. Sonia ? Oui, je suis là. سيكون عندي موز آخر 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 وبجيك آخر غدا إن شاء الله إن شاء الله voilà. سيكون عندي موز آخر غدا إن شاء الله il y aura chez moi d'autres bananes demain si Dieu le veut si Dieu le veut exactement سيكون عندي موز آخر غدا إن شاء الله. Voilà, on continue. C'est moi, Sa'atraka. Sa'atraku. Sa'atraku. Laka. Laka minha. Minhu. Minhu. Kilo. Minhu kilo. Awa. Alors, awa. Sa'nina. Aw ithnaini. أو alors أو اثنين non j'ai pas mis ça اثنين ou alors tu en liaison ça donne أو اثنين le alif il disparaît أو اثنين أو اثنين c'est comme s'il y avait une kasra sur le wa OK d'accord voilà سأترك لك منه كيلو أو اثنين qui veut dire سأترك c'est pas Il devient du verbe taraka, mais c'est du futur. Taraka, c'est laisser, non ? Voilà, ouais, très bien. Et il laissa ? Je laisserai. Je laisserai. Pour toi, à toi. Ouais, je laisserai pour toi un kilo. Ou deux. Un kilo ou deux. Un kilo ou deux. Voilà, Jean laisserai pour toi un kilo ou deux. Donc, Jean laisserai de bananes. Laisserai pour toi, ouais. Un kilo ou deux. OK, on continue. Ça va couper là maintenant, mais... ou alors on coupe là. On coupe tout de suite. Et on se dit rendez-vous pour le 4 et le 5. On va essayer de les faire vite. Et après, on passe à la leçon. OK, okay. J'arrête pour éviter que ça coupe et qu'on commence pour rien. À tout de suite.